Salut les amis, c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu sur le nouvel event qui vient d'être mis en place. Ça fait déjà 2 jours qu'il est en action, voire même peut-être 3 depuis le moment que je vous mets cette vidéo en ligne. Les comptes de loi. Alors comme vous le savez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 chats à débloquer. Un de tier 7 et un de tier 8 qui s'appelle tout simplement le fameux M6A2E1 et le M6A2E1 Exp, qui sont tous les deux donc des chars lourds. Bon, après vous les connaissez, hein, il suffit juste d'aller voir dans les conditions et puis vous allez voir directement les chars, les voici, les voilà. Alors bien sûr, là c'est le premier, le fameux tier 7, et ensuite vous avez le deuxième, le fameux tier 8. Les voici, les voilà. Bon, ça, de toute façon, hein, vous avez juste à faire comme moi et vous voyez. Alors, il y en avait certains qui me posaient comme question comment on pouvait les obtenir. Alors, je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible et le plus simple. Vous avez deux solutions, même trois pour les obtenir. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est soit directement les deux chars. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé mon or comme j'avais un peu d'or. Bon, voilà, comme je fais celui de ma femme. Moi, je les ai payés directement avec de l'or. Donc, pour avoir les deux chars, c'est directement 31 000 pièces d'or. Et à partir de là, vous avez les deux chars. Mais sinon, il est possible tout simplement d'avoir un char ou l'autre aléatoirement. Comme vous le savez, vous pouvez les obtenir sur le portail, un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse foire de Blitz, pour les anciens. C'était un petit peu des caisses qui étaient là, et vous avez des tickets, et avec les tickets, vous pouvez ouvrir des caisses, et avec ça, vous avez des récompenses qui est complètement aléatoire. Soit vous pouvez gagner un char, de l'expérience, des broches, etc. Alors là, comme vous voyez, là, c'est un coffre pour éventuellement gagner un fameux M6A2E1 Exp. Donc là, il faut des broches bleues, enfin des tickets bleus. Bon, j'en ai aucun forcément. Alors après, vous pouvez directement en payer avec des pièces d'or si vous en avez. Donc vous en prenez un et vous ouvrirez un coffre directement. Donc vous pourrez gagner un des deux chars ou alors des crédits, des broches, des temps. Bon bref, vous pouvez lire, donc vous le savez. Ou alors tout simplement un ticket rouge qui est pareil. Soit vous les gagnez, soit vous les payez avec de l'or pour éventuellement gagner un de ces qui contient une de ces récompenses. Ensuite, alors, comment on va me dire? On va me dire, bah oui, mais comment on fait pour pouvoir gagner ce char-là? Voilà, il faut donc des broches pour ce char-là. Donc, comme ils disent, pour obtenir des broches, il vous faut ouvrir des conteneurs en acier obtenus qui peuvent être gagnés en accomplissant les étapes principales de la série de missions. Alors, en fait, c'est tout simple. Donc là, voilà, j'ai fait déjà la première, c'est la plus simple. La deuxième, voilà, il m'en manque un petit peu. Une fois que cette étape-là, elle sera terminée, voilà ce que je vais gagner. Je vais gagner un coupon bleu, donc on pourra ouvrir ce fameux coffre avec ce ticket bleu. Ensuite, on gagne des amplificateurs et on gagne aussi des broches. Donc, comme vous pouvez le voir, là, sur un char, ou tout simplement les broches, jumelées pour directement débloquer les deux chars. Comme ça, vous êtes tranquille. Là, il vous en faut donc... alors, attendez, que je dise pas de bêtises... voilà, pour obtenir le tier 8, il vous faudra des broches jumelées, voilà. Et pour obtenir juste le tier 7, il vous faudra des simples broches. Donc ça, en faisant les étapes, hein, vous gagnerez des broches, donc soit simples, soit jumelées. Après, c'est à vous de les dépenser comme vous le voulez. Et également, vous pouvez en gagner en ouvrant des conteneurs, qui se trouveront dans le fameux portail. Alors, ensuite, pour pouvoir avancer dans les étapes, c'est très simple. Il suffit de vous rendre dans vos missions et vous allez avoir donc des étapes à accomplir comme d'habitude, hein, pour gagner justement ce qu'ils appellent des trophées de combat. Ces trophées de combat vont vous aider à accomplir vos étapes. Et à partir de là, une fois que vous aurez la quantité nécessaire demandée pour pouvoir valider cette étape-là, et bah, vous recevrez les fameuses récompenses qui sont là. Donc ça y va, hein, ça... Voilà, là on voit, on a un ticket rouge pour celui-ci. Ici, on a quoi? On a directement donc un ticket bleu, ainsi de suite, jusqu'à la condition 7, où c'est que là, on gagne directement un conteneur. Vous aurez 2 tickets rouges, 2 tickets bleus, des objets, des amplificateurs. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est pareil, c'est beaucoup d'amplificateurs pour ces phases-là. Alors, attention, ne vous faites pas avoir, mes amis, je tiens à le préciser pour certains qui n'auraient peut-être pas fait attention, c'est pas en accomplissant les étapes jusqu'à l'étape 7 que vous allez débloquer un char. Hein. Les chars arriveront aléatoirement dans les boîtes, ou alors tout simplement, pour avoir ces chars-là, il vous faut 3000 donc, broches pour ce char-là, simple, donc 3000 broches simples, ou alors pour avoir le tier 8, il vous faudra 3000 broches jumelées. D'accord. Par contre, je me souviens plus pour celui-ci, vu que moi je les ai débloqués, je ne sais plus combien il fallait. Je vais pas vous dire de bêtises. Au pire, vous me laisserez un commentaire parce que je m'en souviens plus du tout.
Donc là, ce que je vais vous proposer directement avant de vous les montrer, ces fameux deux chars à gagner, nous, on va essayer d'accomplir au moins une mission pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe pour ceux qui vraiment veulent savoir. Bon, après, ça va être assez simple. Bon, là, on va dire, j'ai deux missions à faire. C'est chasseur de chars moyens en tier 9, je dois détruire deux chars moyens ennemis en autant de batailles que nécessaire. Tireur professionnel, faire partie des 4 meilleurs joueurs en termes de dégâts infligés. Je pense que ça devrait être pas mal. Et après, l'autre, c'est peloton. Mais bon, peloton, je suis tout seul. C'est difficile de faire un peloton tout seul. Voilà, donc je vais prendre mon M46 Patton. Et puis, on va partir sur le champ de bataille, voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Nous partons en suprématie. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir donc deux chars moyens, comme vous le savez. Il faut que j'en détruise deux en autant de batailles que nécessaire. On va essayer de se les faire, sachant que là, on en a quand même quatre. Théoriquement, si on en a une bonne team, on devrait pouvoir se bien dépatouiller, j'ai bien dit normalement. Ok, allez, c'est parti. Donc nous, on va rester sur ce côté-là. Ouais, allez, on va aller chercher donc la D, hein, je vais préciser à ma team. Je prépare mes munitions, donc ils vont chercher. Par contre, ouais, je fais peut-être... Alors attendez, parce que là, 1, 2... Ouais. Voilà, donc ok, il prend assez... Je me méfie quand même parce que comme il y a pas mal de médiums, ils peuvent très bien partir vite fait sur la D. Voilà. Et on a notre premier client qui est juste là. C'est parti. Alors là, je vais essayer de me concentrer pour avoir tout de suite ma fameuse mission. Oh oui. Alors je sais, je devrais tirer à la HE, mais comme il se met de côté, j'ai pas envie que ça absorbe les chenilles. Parce que là, je vous dis, il faut vraiment que j'aille. Voilà, très bien. Ah. Il a rebondi. Moi, je vais essayer d'aller me chercher directement le léopard. Ouais, en plus, là, vite. Allez, comme ça, on se le fait. Et il est pour nous. Voilà, et d'un. Donc là, j'y vais un peu à la bourrin. Je vous le cache pas, mes amis. C'est peut-être pas intelligent de ma part. Mais là, je vais essayer. Allez. Non. Il est pour moi. Laissez-le moi, s'il vous plaît. Non, mais non. Oh, le Tiger, c'est pas sympa de faire ça. Oula, par contre, on a... Non, toi, t'as tiré, donc je vais en profiter. Je t'en mets une petite et je m'en vais. Voilà. Donc là, je vous cache pas, j'ai vraiment été comme un... On peut le dire, comme un porc, oui, tout à fait. Bon, il m'en reste encore deux, faut que j'arrive à aller... Il est où, Yes-8. On va essayer de se faire tout de suite ce fameux Yes-8. Ah, il a rebondi. Ok, ça marche. Donc là, on est en... Ouais. On va essayer d'aller chercher l'Indien. Ouyo. Allez, on y croit. Oh. Voilà. Non, il va se le faire, voilà. Donc moi, il me reste plus que le T-54 mode 1. Là, il faut vraiment que j'arrive à... Ouais, comme dans du beurre. Aïe. Reste là. Voilà, ça c'est bon. Comme ça. Là vraiment, bon, comme je vous le dis, là franchement j'y étais comme un porc, je le cache pas, donc vous pourrez dire dans les commentaires. Mais c'est vraiment pour... Ah, il est là-bas. Lui. Alors attendez, qui c'est qui prend la B là? L'IS3. Oh bah tiens, allez, on se fait plaisir. Hop là, voilà. Donc là, il reste plus que le l'IS-8. Très bien. Alors par contre, on va quand même faire attention parce que... Là, par contre... Allez, on va aller... Ah, il est là-bas. Très bien. Allez, on va venir en support tout de suite avec l'IS-8. Même s'il va essayer de se le faire en premier, on va essayer de mettre quelques cacahuètes. Vite. Mais reste pas devant. Non, mais pourquoi tu restes comme ça? Oh là là. Ah bah. Moi, j'ai bouncé. Très bien. Voilà, super. Bon, au moins, on en a eu 4. Ça, c'est fait. Alors, comme ça, on va regarder un petit peu. Donc, théoriquement, j'ai fait mes deux missions. Hein, le fameux peloton, je pouvais pas le faire du fait que là,
Voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, on récupère donc 1300, 1200 supplémentaires. Très bien. Bon, là on va pas regarder forcément les crédits. Allez, on va faire un petit kiff quand même. Bah, c'est vraiment pour le fun pour aujourd'hui. On va regarder un petit peu les crédits. On est quand même à 49 000. Bon, grâce aussi aux expériences de mission. Donc ça c'est très bien. On va regarder donc là. Non, ça la mission c'est fait. L'étape 2, donc voilà, il m'en manque encore quasiment 1000, donc bah, oui, de toute façon 1000, c'est marqué en gros en rouge, 1000, limite il faut que je fasse mon peloton en tier 9, et à partir de là j'aurai débloqué la fameuse condition qui demande, j'obtiendrai ces objets là, ensuite vous partez sur le portail mes amis, vous déclenchez votre ticket bleu, et bah, en croisant les doigts pour que vous obteniez un des chars qui est à gagner, ou alors vous gagnerez des broches, ou du compte premium, etc., etc. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette vidéo a été un petit peu plus claire pour certains d'entre vous, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris le principe, hein. Maintenant je vous souhaite tout simplement bonne chance, vraiment bon courage hein, pour ceux qui s'y mettent, mais là c'est vraiment du aléatoire, donc me dites pas dans les commentaires, oui de toute façon moi j'ai eu des broches mais j'ai rien eu, c'est vraiment aléatoire, hein. Là je n'y suis pour rien mes amis, voilà c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, on se sera fait un petit kiff avec ce fameux M46 Patton sur les comptes de loi. Et de toute façon, au pire, dès que j'aurai des tickets, on les gardera de côté et puis on regardera un petit peu ensemble ce qu'on gagnera à ce moment-là. Allez les amis, je vous souhaite bon courage pour ces fameux deux chars à remporter. Hein. Dites-moi dans les commentaires, au pire, s'il y en a certains d'entre vous qui ont utilisé de l'or pour directement se les débloquer, juste pour info, pour savoir comme ça. Moi, comme je vous le dis, je vous cache pas, j'ai déjà, comme vous le savez, un Bigouf est un collectionneur. Donc forcément, voilà, il a ses deux chars. Non, ça c'est les anniversaires. Voilà, les deux chars sont ici, hein. Je les ai pris directement du fait que là maintenant je vais me mettre sur le compte de ma femme pour essayer éventuellement elle de lui faire gagner. Comme ça en même temps je pourrais vous dire si éventuellement on a remporté ces chars là lors d'un coffre ou pas. Ça sera la question. Allez les amis, on se retrouve très prochainement pour après tester ces deux nouveaux bébés qui sont arrivés dans Blitz pour voir un petit peu ce qu'ils vaut, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants ou pas, ou tout simplement vous donner une idée si vous êtes plus parti sur le tier 7 ou le fameux tier 8. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao !